Pendant des années, ils ont critiqué son corps. Puceau, corps de l'âge, disait-il. Mais aujourd'hui, après 3 minutes d'entraînement, il est fin prêt à affronter les plus grands boxeurs. Bon, dans un jeu vidéo par contre, parce que faut pas déconner. Bienvenue dans Squeezie, aujourd'hui on se trouve dans un corps en pleine forme pour péter un boxeur, c'est faux. On est sur The Thrill of Fight, on va prendre mon poing et on va le mettre tout de suite dans la gueule des adversaires. Alors avant tout la peser, 158 kg. Attends mais du coup mec je vais affronter des titans, c'est pas juste. En vrai je fais 38 kg. Ah ok, on se retrouve près du ring, c'est notre salle d'entraînement mon gars. Mec, c'est quoi cette tête mon gars? Me regarde pas comme ça, tu veux que je devienne le meilleur boxeur ou pas? Alors tu me regardes pas comme ça. Ah, fils de chien. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Excusez-moi, je me suis un peu enflammé. Ok, donc je dois choisir mon adversaire depuis ce tableau. Et franchement, voilà, c'est pour ton bien. On va prendre des leçons avec lui. Attends, mais c'est le même mec qu'il y a deux secondes, hein. Oh, tu m'attaques quand je te... Mais toi, t'es un ouf, toi. Mais tu fais pas ça, toi. Ah, ouais. Ah. Arrête. Il me bloque. Il m'a mis dans les cordes. Attends, tu sais quoi? Là, tant que je l'ai pas touché, il croit que je veux pas combattre. Donc... on va faire l'infiltration, on va passer sous lui et on va... regarde, il sait que je suis là. Ne me regarde pas comme ça, c'est pour ton bien. Et on va faire le Falcon Punch, vous êtes prêts? Falcon Punch. C'est un sketch de ouf. Ah, dans le boule. Oh. Ah. Oh, on l'a démoli. Mec, tu m'as appris beaucoup de choses, mon petit Paolo. Hop là, toujours se méfier mon con, c'est toi qui me l'as appris. Allez, on y va. Ugly Joe. Vraiment laid. Il est vraiment laid mon gars. Y'a pas Ugly dans son blast pour rien. Ok. Allez, ta garde elle est où? Ta garde elle est où? Ugly Joe elle est où ta garde? Avec ton lait mon pote. Où est ta garde Ugly? Ah, ah. Me fais mal à moi-même. Ok, ok, ok. Bah attends mais t'y crains rien. On dirait que je mets des coups dans le vent. Il est où Ugly Joe? Il est où? Passe tété mon gars. C'est la tradition. Moi je suis fair play moi. Moi je suis un mec fair play. Pardon, pardon, c'est le mec. Et ouais mon gars, je te contre. Fais attention à ton gourdet. Ça c'est ton point faible hein. J'arrive plus. J'arrive plus. Clément, ramène le produit d'emport. Je peux plus. Ah. Il m'a battu. Attends. Déjà, si je puis me permettre, à la salle, tu devrais muscler un peu les jambes. Tu vois, tu auras du cuisseau comme ça après. Hop là, par surprise, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh. Oh. Faites du bruit. Allez, relève-toi, tiens, je t'aide à te relever. C'est faux. Oh, il est chaud. Mais j'ai esquivé. N'importe quoi. Hey, t'arrêtes, Joe. Vas-y, j'ai esquivé. C'est pas du jeu. Je vous baisse tous. On va la voir. On va se concentrer. Tu sens la puissance de Rocky là? Tu sens Rocky qui m'envahit? Rocky est avec moi. Tu vas rien faire moi. Oh yeah. Il est mort? Il est mort? Il est mort? Non. On a tué Joe. Qu'est-ce que... je suis dans le corps de mon coach, c'est quoi ce délire? Coach, 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 je sais que vous êtes... Ah pardon. Je sais que t'es fier de moi mais quand même, respecte un petit peu mon intimité. Éloigne ton nez de moi. Éloigne ton nez. Tu risques de me transpercer avec un truc pareil putain. Ugly Jonas Sato il est décédé. Maintenant c'est Luis Félix. Alors bizarrement tous les mecs qu'on découpe comme ça dans les films ils sont super impressionnants. Mais ils se font démolir en 5 secondes. C'est parti, on va lui casser les dents. Je vais exploser hein. Je vais pas vous mentir, là j'ai une quantité de sueur qui est tombée de mes bras. Assez... alors attends. Pousse. Une seconde, je suis un peu fatigué, c'est parti. Bras, 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 rapide comme le faucon, bras. Eh oh, oh, oh. Ma maman elle m'a dit, te laisse pas faire si t'as des placas, Lucas. Du coup je t'ai mis KO. Faites du bruit. On est pas bien qu'on gagne un combat, Clément. Oh, oh, mais t'es sérieux? Mec, la vengeance pour avoir fait ça, tu mérites que je te baisse ton short. Ça marche pas. Tu vas mourir. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu vas mourir. C'est parti. Oh putain. Arrête de mentir. J'ai tout donné. Il se relève pas, putain, il se relève. Allez, là, faut faire hyper gaffe, il va être hyper sauvage. Non mais mec, c'est une finale de boxe ou c'est un combat d'enfant de 9 ans? Expliquez-moi, bordel. Arrête. Tu ne me parles pas à plus de cette distance maintenant. Lui, il est un peu bizarre quand même, hein. Il fait des petits attouchements sur ses poulains. Poulains qui, je te le rappelle, sont extrêmement doués en boxe, mon con. Ok, on y va. Allez, allez. C'est comme ça qu'on commence bien un combat. C'est comme ça. Et c'est comme ça que le Deo Médan, il sert à quelque chose aussi. Allez, viens me battre. Viens. J'ai tenté une technique secrète. Attends. C'est sympa ce petit nœud à ton short. Hop, la technique pour déstabiliser l'adversaire. Ouais. Ah oh, ouais, la technique du nœud du short, mon gars. Pense TT, ça déstabilise. Allez, on passe. Putain.
Attends. Mon gars, il s'est fait refaire les tétés, lui. Allez, on se relève. Mais dis donc, elles sont sympas, tes converses. Oh, la technique de la converse sympathique. On a gagné? Non. 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 Pour de vrai. Arrête. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Oh non, encore. Non, non, mais là, je peux plus, là. The Spider. Non, mais là, c'est plus possible, là. Je peux plus, coach. Je peux plus. Vas-y, fiston, tu peux y arriver. Je peux plus. Souviens-toi de toutes ces heures passées à t'entraîner durement. J'y arrive plus. J'y arrive plus. Tu gagneras ce match. Pas parce que tu me dis, j'arriverai pas. Bon, si tu gagnes le match, tu auras 10 millions de dollars. Ok, c'est parti. What? Il fait 8m20. Attends, on dirait Edouard dans Twilight. On dirait un vampire. C'est pas du jeu, les gars, à la pesée, vous avez pas grillé qui suçait le sang de son entraîneuse? Non mais mec. Ok, on va faire ce qu'on peut. C'est sympa cette marque de short, c'est quoi? Bra, bra, bra. T'as quoi ma pression pas, je vais te coller au corps et tu pourras rien faire. Oh, je casse le cou. On lui casse. On lui casse le cou. On a gagné, c'est, il se relève, c'est vraiment un vampire. Mais attends, on lui a pété la nuque, les gars, il peut pas se relever. Je m'en bats les couilles, je vais le recoller. Même technique. Oh ouais, oh ouais, t'aimes ça, hein? T'aimes ça les coups dans la nuque, hein? Ah mon con! Petit bisou au passage! Oh oui, Edouard, je t'aime, je suis ta belle âme! Edouard! Non, mon chéri! Il se relève pas, il se relève! Eh, hey, j'ai trouvé une technique géniale! Faut les prendre au corps, les grands! Comme ça, on n'est pas à portée de ses longs bras, et il arrive à rien faire! Et ça fait un combat en plus vraiment viril, que beaucoup de gens apprécieront et likeront! Wouh! Ah, il m'a mis KO, c'est pas grave, c'est pas grave! Ok, wow, 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 wow! Regarde, c'est au lycée! C'est fini là! La cloche est retentie. Ramenez-moi la médaille. Allez, victoire! La médaille d'or! Là, je la mets sur l'épaule comme il faut et je me casse! N'hésitez pas à aimer la dose, ça vous a plu! Et à faire un don pour soigner ma clavicule qui est en train de prendre très cher. Ah! Aujourd'hui, on a prouvé ce qu'on valait. Sans tricher. Chut! N'hésitez pas à aimer la dose, ça vous a plu. On se retrouve très vite dans une prochaine. Ciao tout le monde! Peace!